Salut à tous, c'est Thibaut et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de Hand of Fate 2. Alors Hand of Fate 2, je vais vous raconter une histoire de dingue, c'est la suite du premier. Alors c'est une espèce de jeu de cartes mélangé en mode RPG. Je sais pas comment dire. En gros, d'abord on va jouer les cartes et ensuite on va voir ce qui se passe dans le monde des actions qui se sont passées grâce à ce qu'on a joué avec les cartes. C'est compliqué à expliquer, mais par exemple, si on tombe sur une carte qui nous indique qu'il y a un combat, eh ben en gros le combat, on va le jouer. Une sorte de roguelike, donc tout ça, c'est un peu compliqué. Je me souviens que dans le premier, ben, on pouvait se faire démonter un peu comme on voulait, vu qu'il y a une énorme part de hasard, hein, c'est-à-dire on a un maître du jeu avec nous qui nous met un peu des bâtons dans les roues, en tout cas dans le premier. Je sais pas du tout ce que ça va donner dans le 2. Donc on va voir ça tout de suite. On va lancer. Voilà. Alors, déjà, les paramètres. Normalement, je vais tout régler, mais je vais vérifier. Tout m'a l'air bon. Nouvelle partie. Et on va voir tout de suite ce que ça donne. Your memories are fading even now, gone to form the soul of the game we play. These pieces are new, as are the stakes. Life. Death. And vengeance. We must ride, for time is short, and you have much to learn. Make your first choice, and let us set these wheels in motion once more. D'accord, donc là j'imagine c'est le choix entre un homme ou une femme. Peut-être que ça va avoir une incidence sur le jeu. On va savoir. Oui, bah j'imagine que lors des combats, ce sera simplement une femme qui se battra. Ces cartes représentent votre histoire et notre jeu. Nous savons où elles mènent puisque vous êtes ici. Ces cartes doivent donc vous guider jusqu'à moi. Voyons ce que l'aventure nous réserve. Le mât. L'idiot s'avance dans le vide car il est ignorant. De la même manière, vous devez vous avancer dans le néant. Vous êtes une page blanche et nous allons écrire ensemble votre histoire. Ah, cette fameuse pièce. Embuscade forestière. Vous avez parcouru de nombreux kilomètres à travers cette forêt à la recherche des voleurs qui vous ont dérobé vos biens. Bien qu'en proie à la fatigue, à la fin, vous avez la ferme intention de récupérer l'amulette de votre père. Vous retrouvez finalement la trace des voleurs qui coupent un grand arbre en se disputant. Se rapprocher à portée d'oreille, gardez vos distances. Le 4 de cupidité et l'escroc. Alors, nos points de vie, c'est en bas à gauche. Hein. J'imagine que ça, vous vous en doutez. On obtiendra des objets au fur et à mesure du jeu. Des armes, des armures, de quoi tenir un peu plus lors des combats. Voilà. Donc là, on a un choix. On peut rester au loin ou se rapprocher. J'imagine que si on se rapproche, ils vont nous entendre sur un jet de dés. Ça se joue beaucoup sur voilà, le hasard, le jet de dés, le coup de bol ou le coup de pas de chance. Ça peut être aussi ça. Par exemple, il va tirer une carte. Admettons que vous allez avoir un combat. Il va tirer une carte. Ça tombe sur un 2, bah vous tomberez que sur 2 ennemis. Si ça tombe sur un 4, vous tomberez sur 4 ennemis. Vous voyez un peu le genre? Ensuite de ça, par exemple, si on peut tomber sur un combat ou ne pas tomber sur un combat, il va nous mettre un choix de 4 cartes sous le nez. 3 d'entre elles vont être un combat et une d'elles va être un moyen d'éviter le combat. Vous voyez le genre, si on choisit la mauvaise carte, c'est combat. Donc on va voir, on va mettre se rapprocher à portée d'oreille. Voilà. Alors là, on a 3 chances sur 4 de réussir. Je me souviens que dans le premier, dans le tutoriel, on n'avait aucune chance, je crois, de gagner la bonne carte pour le tuto. En tout cas, dans le premier. J'aurais pas été très loin, mais quelle que soit la carte que je choisissais, c'était la mauvaise. Donc là, on va mettre la deuxième.
Ça va, j'ai réussi. Vous approchant en rampant, vous surprenez leur chef en train de débiter de ses ordres. C'est simple, dit-il. Les idiots avancent sur le chemin, vous faites tomber l'arbre et vous bondissez. Ils seront trop effrayés pour se battre et nous serons riches. D'accord, c'est vraiment des jambons. Hein. Pourquoi qu'on leur sauterait pas dessus pour les poignarder directement, rétorque l'un d'eux. Une autre silhouette encapuchonnée intervient. Ouais, les cadavres ne combattent pas non plus. La frustration pointe dans la voix du chef. L'Empire se moque que quelques fermiers perdent une pousse ou deux. Mais laissez un corps sur la route royale et l'endroit grouillera de soldats avant que vous n'ayez dépensé la moindre pièce. Nous n'avons pas besoin de cela. Maintenant silence, les voilà. Vous remarquez rapidement un groupe de fermiers apparaître au détour du sentier, portant leurs produits au marché. Les voleurs font tomber l'arbre sur le chemin des fermiers innocents et bondissent en brandissant leurs armes. Donnez-nous votre nourriture. Volez au secours des fermiers. Proposez votre aide aux fermiers en les prévenant qu'elle ne sera pas gratuite, donc à connard ou à semi-connard. Aidez les voleurs dans leur extorsion. Putain, alors là c'est le pire des connards, je pensais même pas que j'avais la proposition. Donc je peux aider les voleurs à voler les pauvres fermiers qui ont rien demandé. Ou alors j'aide les fermiers en demandant une compensation. Ou j'aide les fermiers sans compensation retour. Je suis pas... Dans les jeux, je suis toujours le gentil, donc on va voler au secours des fermiers. Vous dégainez votre arme avec doigté. Bon, commence leur chef. Je vous laisse vous en occuper, les gars. On se retrouve quand vous aurez fini. D'accord, le chef se casse. Et donc là, on va se retrouver dans une scène de combat. Alors, les scènes de combat, c'est vraiment le jeu d'action de base. Hein. Voilà, donc c'était 1-4, donc il y a 4 ennemis. Alors, des voyous. La violence au nom de la violence et le vol parle pour l'amour de l'argent. Les voleurs attaquent fréquemment et peuvent esquiver les attaques classiques en diminuant ainsi l'efficacité des armes lourdes. Alors, c'est cool, là, dans le 2, il semble pas y avoir de tuto. Donc, ça va être très marrant parce que je ne me souviens plus des touches ayant très peu joué au premier. Peut-être 2 heures à tout casser. Ah, c'est cool, je suis aidé avec les fermiers. Alors, coup de grâce, c'est L2, capacité d'armes, c'est R2, attaquer, carré, contrer, triangle, frapper, esquiver. D'accord. Pourquoi j'ai l'impression que carré et rond, ça a l'air déjà d'être les mêmes. Contrer, esquiver, putain, je sens que je vais galérer. En gros, il faut que je fasse carré, carré, rond, triangle quand je me fais attaquer et j'esquive. Et où le dernier? Ramène-toi, allez hop hop hop. Il n'y a même pas de dernier. Vas-y, attaque-moi, attaque-moi. Voilà. Donc là on a gagné le combat. Évidemment les points de vie que j'ai perdus, je les ai perdus pour de bon. Hein. À moins de tomber sur de la bouffe ou une potion, je continue ma partie avec les cartes, avec les points de vie que j'ai perdus. Évidemment quand on arrive à zéro, c'est la mort, c'est fini et on recommence. En gros, c'est comme un jeu de rôle papier avec un maître du jeu. Sauf que cette fois, le maître du jeu, c'est pas un de vos amis, c'est un connard en face de vous. Les fermiers fouillent leur sac avec gratitude. Merci à vous, je suis sûr qu'après notre nourriture, ils auraient aussi pris nos vies. J'ai eu de la bouffe. Alors, ça, c'est bien donc parce que je peux l'utiliser sûrement pour récupérer de la vie. Vous vous jetez sur la nourriture avec un soupir en fournant le pain dans votre bouche pour apaiser votre faim. Et je récupère de la vie. Votre satisfaction s'évanouit lorsque vous réalisez que l'amulette de votre père ne se trouve pas parmi les prises. Vous consommez une unité de nourriture. Leur chef doit la voir. Vous vous redressez sur vos pieds avec la ferme intention de le retrouver. D'accord. Alors là, vous voyez, on va avancer. Les cartes, c'est comme un chemin case par case. Donc là, j'ai pas trop le choix, il n'y a qu'une seule case. Les amis dans le besoin. Alors que vous appréciez un moment au coin du feu, vous repérez une silhouette approchant du camp. Ce qui de loin apparaissait comme une jolie jeune fille se révèle dans la lumière être un gobelin mal déguisé.
Alors là, faut vraiment être bigleux pour une peau de renard crasseuse, viscère de perruque mal ajustée. Le gobelin vous adresse un clin d'œil de ses farouches yeux. Ah ah, ça fait des heures que j'erre en tentant de vous trouver. Nous devons faire vite si je veux espérer voir tous les gens sur ma liste avant le lever du soleil. Il laisse tomber un sac de son épaule. Bon, je peux conjurer depuis ce sac tout ce que votre cœur désire. D'accord. La voix du gobelin s'estompe tandis qu'il examine son sac. Enfin, je pourrais s'il n'y avait pas un énorme trou à l'intérieur. Le gobelin enfonce sa tête dans le sac, appuyant son nez dans la déchirure. Nouveau plan alors, le gobelin sort ses deux dernières breloques. Je peux vous offrir la vigueur ou vous permettre de semer la mort, que préférez-vous? Ah, donc j'ai le choix entre une hache de guerrier, une épée de soldat ou un bouclier. Le bouclier, ça peut être pratique. Mais du coup, j'attaque avec mes poings, quoi. On va dire une épée de soldat. Alors, épée de soldat, coup critique, effectuer une préfrappe, ok, riposte à une main, dégâts 15, ok. D'accord. Donc j'ai quand même une épée. Je gagne juste 2 points en plus. What? Je crois que j'ai fait une grosse connerie. En fait, d'accord, j'ai fait, c'est bien ce que je pensais, je crois que j'ai fait une grosse connerie. Je lui ai rien pris parce que j'ai fait retour. Je voulais retourner pour prendre le bouclier. C'est la bite, c'est la baise, c'est bien. Trouver les êtres de la forêt. Cette carte contient un jeton, pourrez-vous le trouver? Votre voyage dans la forêt est interrompu par un enfant curieux. Êtes-vous à la recherche des êtres de la forêt? Mon oncle dit qu'il parcourt souvent ces bois et vous font des cadeaux. J'aimerais en trouver un et lui en demander. Et lui demandait un gâteau au citron. Tout en détalant pour regarder sous une bûche tout près, l'enfant crie. Souvenez-vous, si vous rencontrez un être de la forêt, prenez-moi un gâteau au citron. Dans l'autre direction, vous entendez une musique inquiétante. Vous essayez d'en trouver l'origine. Pareil. Amstram Gram. Vous suivez le champ à travers les buissons et un cours d'eau jusqu'à trouver une clairière dégagée, baignée par la lumière dorée du soleil. Vous tombez sur une femme âgée à la posture aussi courbée que les branches de la forêt. 12 hivers se sont découlés depuis le dernier visiteur. Sa voix est un murmure, mais elle gronde dans vos oreilles. Vous pouvez me rendre visite dès que vous en avez besoin. J'ai gagné un jeton. Mais si vous perdez, vous aurez gagné ce jeton. What? Trouvez le chef des voleurs et récupérez votre amulette. Nothing could be more fitting now than meeting the mage who started this all. Une piste d'arbres battus de fermiers affolés vous ramène jusqu'au voleur. Les bandits entourent leurs anciens chefs, tous armés de toutes armes dehors. Il semblerait que leur conflit interne n'ait fait que s'intensifier. Écoutez, sérieusement les gars, tout le monde a le droit d'une partie équitable. Pas besoin d'en venir à la violence, à pleurer le chef des bandits. D'accord, ils sont tous en train de se retourner contre lui. Où a-t-on entendu un voleur parler de part équitable? Crache l'un d'eux. Vous apparaissez et vous nous donnez des ordres. On a quasiment poignardé personne. Ça fait des jours que j'ai plus poignardé quelqu'un. Des jours, se plaint un autre. Le chef vous voit approcher, vous fait signe. J'adorerais continuer cette discussion sur le partage du butin et les coups de poignard, mais je crains de devoir régler une affaire urgente avec la personne ici présente. Tandis qu'il vous salue, il murmure « Gardez-moi en vie et vous aurez plein d'or en échange. » Lui dire que l'or ne peut pas remplacer l'amulette qu'il a volée. Ah bah oui, bah ça c'est vrai. Le chef lève le doigt. Première règle de la négociation, ne jamais dévoiler ce que vous désirez. Tuez ces brigands et je vous restituerai volontiers votre amulette. Toujours fiable, les voleurs dégainent leurs armes, leurs lames pour vous attaquer. Tu veux parier ce que tu veux que j'aurai pas ma putain d'amulette. Donnez-nous vos affaires ou on vous poignarde, grogne l'un d'eux. Combattre ou leur donner l'intégralité de votre nourriture et votre or. Mais bien sûr. Vous dégainez votre arme et vous préparez à vous occuper de ces méchants. Ces mécréants. Astuce, effectuez une riposte rapide en attaquant immédiatement après avoir défendu une attaque. D'accord.
Faudrait que, genre, je m'en occupe d'un, voilà. Ah, j'ai pas encore l'habitude d'esquiver totalement. J'ai perdu pas mal de vie. Une fois le combat décidé, l'ancien chef des bandits secoue la tête en signe d'approbation à propos du carnage devant lui. Il vous tend la main. Mon nom est Malaclipse, barde extraordinaire. Son sourire s'efface devant votre regard noir. Sentant votre colère, il lève la main en signe de reddition. Attendez, tâchons de ne pas agir trop vite. Nous sommes dans le même camp. Je suis un honnête citoyen tout comme vous. J'ai travaillé avec les voleurs, c'est vrai, mais uniquement dans l'intérêt de tous. Non, vraiment, ils tuaient des gens avant que je les rejoigne. Je sais que ça n'a pas l'air glorieux, mais regardez, ils ramasse l'amulette tombée et la serre dans vos mains. Tout est pardonné. Vous fixez l'amulette, elle ne vous paraît pas familière. Oh, fait Malaclipse en se grattant la tête. Il ouvre une petite sacoche. Alors laquelle est à vous? Prendre l'amulette de votre père. Alors on a choix entre le lion, l'égyptien, le taureau ou l'aigle. Si c'est bien un taureau. Moi je vais prendre le taureau. Parce que je... C'est un bœuf, c'est génial. L'amulette, le bœuf, elle vous va bien. Une structure faciale tout à fait similaire. Attendez, vous savez quoi? Vous êtes solitaire, je suis solitaire, nous devrions travailler ensemble. Malaclipse, l'escroc est devenu votre ami. Nous devrions peut-être apprendre à nous connaître maintenant que nous allons devenir amis pour la vie, dit Malaclipse. Dites-moi, d'où venez-vous? D'accord, donc on peut changer, donc ça c'est bien. Choisir une apparence. Voilà. On va dire ça. Bon, le coup de l'amulette, on va peut-être la changer parce que je pensais que c'était un taureau. Juste parce que le signe astrologique c'était taureau. Mais c'est un bœuf. On va prendre le lion. Le lion ou l'aigle. On va prendre le lion. Et ça, c'est quoi? Une couleur de tenue. Un truc avec de l'orange et du vert, ça serait bien. Mais on dirait que non. On va prendre celle-là au pire. Terminé pour dire carré. De la ceinture orientale, hein, sans blague, des braves gens à la ceinture orientale, très confiants. Oh d'ailleurs, je veux dire, nous, partenaires, devons l'argent à Vinus de la guilde des voleurs. Il est plutôt en colère contre moi, contre nous. Tu parles, maintenant que je suis son pote, il partage même les problèmes. Nous devrions voyager ensemble vers Bourbepont pour le calmer. Un peu d'or pourrait s'avérer utile. En fait, à la réflexion, je suis plutôt occupé. Malaclipse observe une jolie commerçante marchant le long de la route. Alors le mieux est que vous vous chargiez de l'or et que je vous retrouve là-bas. D'accord. Génial. Cool, cool, cool. Comment je peux me soigner? Je veux me soigner. Non, c'est pas ça.
Je ne peux pas me soigner, pourtant j'ai de la nourriture. Ah d'accord, c'est au fur et à mesure. Vous participez à une compétition de force, le gagnant reçoit un prix en or. Votre adversaire pour la première manche est le petit Roland, un semi-homme appartenant à une troupe d'acrobates. Mort de rire. Oh, le jet de dés. Il faut faire 10. Connard, il y en a un qui compte pas. J'ai fait 9. Bah non, j'ai fait 8. Ah non, ça compte comme un 1. Je suis con. Ça compte comme un 1. J'ai droit à encore un lancer de dés. Enfin non, en tout cas, je peux en relancer un. Ça va, j'ai fait 12. Victory, you are learning. Ça va, c'est sympa. On peut en relancer un, le plus pourri. Roland n'est pas à la hauteur de votre force. Avec un visage déconfit, il saute de la table avec un salto arrière, récupère ses maigres gains et sort en faisant la roue. Alors j'imagine que si j'avais perdu, peut-être que j'aurais dû le combattre moi-même en mode jeu. Enfin, vous voyez quoi. Vous récupérez votre récompense auprès de l'attendant en sortant de la taverne. À votre retour, vous participerez à la prochaine manche pour gagner un prix plus intéressant. Alors là, je peux choisir la carte du haut ou la carte du bas. Sachant que si je fais la carte du haut, ça, il y en a toujours 3. Et si je fais la carte du bas, il y en a toujours 3. On va prendre celle du haut. De toute façon, il n'y a aucune différence, hein, c'est les mêmes cartes. Alors que vous traversez un pont en pierre, vous vous retrouvez face à un nouveau groupe de mécréants. Alors, vous pourriez faire face et combattre ou vous jeter dans la rivière en contrebas. Sachant que si je saute dans la rivière, il faut que je fasse 11 avec 3 dés. Ça peut paraître facile, mais je préfère les combattre. Même si j'ai plus beaucoup de... Excusez-moi. Même si j'ai plus beaucoup de points de vie. Il va vraiment falloir que je fasse attention. Ah ouais d'accord, c'est des saloperies quoi. Infecté, le premier contact de la corruption révèle les éléments les plus sombres de ses victimes. Les ennemis infectés sont affaiblis, ce qui les étourdit lorsque leur niveau de santé est faible. Donnez-leur un coup de grâce avant qu'ils ne reprennent leurs esprits. D'accord. Ah oh, mais hey, j'ai qu'une seconde pour appuyer sur R2 aussi, t'es drôle toi. Bon ça va, j'ai pas perdu trop de vie. Le sang de votre ennemi forme une flaque, vous vous arrêtez pour trouver quelque chose d'utile. Bouclier en bois. Il a l'air d'être carrément mieux, oui. Alors, si je veux, je peux carrément descendre et reprendre l'autre. Allez, on est un peu des fous. La demoiselle en détresse. Vous voyez une diligence renversée devant vous. Une femme appelle à l'aide.
promises of the opposite. Pitié, aidez-moi, crie-t-elle. Une bande de bandits m'a dévalisé. Pouvez-vous m'aider? Aider la femme en détresse. 12 au dé. Bon, bah, on va l'aider, hein. Il n'y a plus qu'à espérer que l'aider, ça soit bon. Oh putain, ça pue. J'ai fait 9. Oh, ça pue, ça pue, ça pue. Faut lancer celui-là, hein. Saloperie. Les dés sont justes et vous avez donc perdu cette manche. Eh bien merci, auriez-vous l'amabilité de me donner tout votre or? La femme sort 2 lames cachées de son corset. Montrez-vous les gars. Un groupe de bandits sort de sa cachette avant que vous ne puissiez réagir. Donc en fait, si je j'aurais réussi, j'aurais gagné. Ça aurait été simplement une vraie demoiselle en détresse. Pas de bol pour l'aider, le maître du jeu a été un vrai connard. Par contre, mon épée, épée play school. Hein. Lorsque les cieux s'obscurcissent, sommes sous les volets ennemis, abritez-vous avec ce rempart de bois sur mesure. Et c'est quoi la touche pour le... Ouais, l'esquive, c'est pour les chiens. Oh, toi, tu me cherches. Une fois les bandits vaincus, vous fouillez leurs dépouilles pour trouver les objets de valeur. Oh, donc j'imagine qu'on a une chance de voir des meilleurs objets. On lance les dés. Eh putain, je pouvais pas l'avoir tout à l'heure le 14, hein. Un double 6 dedans, quoi. Vous trouvez de la nourriture en leur possession. Putain, il y avait beaucoup de nourriture. Carnaval. You see how quickly the actions of the usurper are turned into tales for children. À proximité du hameau endormi de Dulwich, vous trouvez les villageois au milieu d'une sorte de célébration. La majeure partie de l'activité semble se concentrer autour d'une grande statue représentant un terrifiant guerrier s'avançant triomphalement au-dessus d'un reptilien étendu. Suivre la parade, demander des informations à l'autochtone, continuez de votre chemin. Je vais demander des informations. Une main ferme amicale explique. Dans les temps reculés, notre village fut assailli par des créatures mi-hommes, mi-lézards. Nous n'avions pas de nourriture, aucun répit et très peu d'espoir. Notre salut est venu sous la forme d'un guerrier sans nom qui chassa les bêtes pour une poignée de pièces et une croûte de pain. C'est ainsi que nous l'honorons, la statue est remplie de nourriture et d'or et nous la frappons tour à tour avec une massue. N'hésitez pas à nous rejoindre, vous pourrez garder tout ce qui tombe si vous êtes plus rapide que les petits chenapans. À tous les coups, c'est le personnage que l'on incarnait dans le 1, le héros qui était là pour aider les gens pour une bouchée de pain. Le défilé et la statue continuent leur procession dans la ville et hors du champ de vision. Je suis la parade. Le défilé prend face sur la place principale de la ville. Vous observez les villageois frapper tour à tour la statue avec une massue et récupérer la nourriture et l'or qui s'en échappe. Un autochtone remarque votre intérêt et vous demande si vous aimeriez participer. Vas-y, hein. En fait, c'est une piñata. C'est moi où j'ai vu grande réussite. Amstram, Gram, on s'en branle, on regarde pas. Génial.
J'ai merdé. Vous maniez la massue avec toute votre force, mais le bandeau affecte votre équilibre et vous laisse tomber l'arme sur votre pied. Génial. Je me casse le pied au lieu d'avoir de la bouffe. Oh, t'es sérieux? Même ça, ça se joue à hasard combien je perds de points de vie. C'était que du 5, de toute façon. Couvert de honte, vous quittez la ville et ses réjouissances. Et espérez que personne ne compte jamais cette mésaventure. C'est dégueulasse. Vous arrivez à Bourbon. À Bourbepont. Tandis que le soleil commence à s'enfoncer à l'horizon. Vous trouvez Malaclips en train de parcourir une sélection de fromages sur le marché. Ah, vous voilà. Malaclips marque une pause. Partenaire, avez-vous apporté de l'or? Vinus a arrangé une rencontre au cimetière. De toute façon, il n'y a rien d'autre à explorer. Se rendre au cimetière. Vous vous demandez si l'endroit a été choisi pour son isolement ou pour facilement se débarrasser d'un corps. Vinus accueille Malaclips avec Tarectus sournois. Vous avez décidé de vous montrer, finalement, et accompagné d'Alaké. Nous avions quelques doutes, vous savez. Vinus fait craquer ses poings et ricane. Alors, Malaclips, convainc-moi. Donne-moi une bonne raison de ne pas te trancher la tête aujourd'hui. Vous sortez votre or, tandis que Malaclips fouille le fond de ses poches pour en trouver lui aussi. Le lourd sac de richesse atterrit au pied de Vinus avec un bruit sourd qui résonne dans le silence. Vous perdez 20 or. J'ai respecté notre marché, dit Malaclips. Un évident soupçon d'inquiétude dans la voix. Restons-en là. Je suis navré, Mal, sourit Vinus. Tu aurais dû savoir que la guilde ne te laisserait jamais payer avec de l'argent volé par nos membres. Comme c'est étonnant. En plus, c'est un boss, c'est une fin de carte. Vinus le fou, perfide et cupide, une combinaison dangereuse. Les anarchistes lancent des bombes enflammées qui infligent des dégâts de feu. Votre armure ne vous sera d'aucune utilité ici. Très bien! Mais eux! Ouais, non, non, c'est beaucoup trop chaud. Oh, mais... On peut pas se soigner? C'est mort. C'est mort. Putain, à 7 points de vie, j'ai réussi, quoi. Je crois que la prochaine partie, je n'y arriverai pas. Malaclips se frotte le menton pensif.
Il semblerait que vous ayez bien besoin d'un esprit astucieux pour vous aider à gérer la situation diplomatique épineuse. Pourquoi ne pas discuter de notre partenariat autour d'une bière ou deux? Vos protestations tombent dans l'oreille d'un sourd, tandis que vous quittez le cimetière. Ah, j'ai eu la pied-pièce. Bien joué. Vous avez terminé le premier défi et nous pouvons maintenant nous diriger vers le suivant. L'âme cardinale, bastion de purification. Voleur de marché, tartelettes, tartes et fruits exotiques. La bifurcation, bras de fer. Ah oui, donc on a toujours plus de cartes dans notre jeu. J'imagine qu'on pourra les changer, un peu comme un deck. Pour avoir lié une amitié avec Malaclipse. Le problème de Malaclipse, l'escroc. Pour avoir trouvé les êtres de la forêt, la vieille dame. Welcome to my challenges. Together, we will traverse 22 paths of wisdom and despair in the hope of awakening. Donc il y a 22 parties scénarisées, on va dire, comme celle que nous venons de faire. Le mât, le magicien, et ainsi de suite. Est-ce que je peux revenir en arrière et choisir d'autres cartes, peut-être? On dirait que non. Je vais voir ce que donne le début du magicien et je vais peut-être arrêter là pour ce jeu. J'en ferai probablement un autre juste après, mais je ne sais pas encore quoi. Le magicien. Compagnon, rencontre, équipement. Sauver les soldats de l'Empire disparus d'une ville rongée par la corruption. Fléau grandissant, préparez-vous à combattre les corrompus, taxes impériales, perdez des pièces d'or pour chaque unité de l'Empire tué. Remplissez votre deck avec des cartes de rencontre. Voici les endroits que vous visiterez durant... D'accord. Qu'est-ce que ça change? Celle-là. Ah, attends. On peut en mettre 5. D'accord, donc en fait. Bon, la demoiselle en détresse était une vraie saloperie. Alors, équipement. Attends, c'est quoi ça? Piocher cette carte équipement pendant un défi pour découvrir ses attributs. D'accord, c'est pas un bouclier, hein, pas que je fasse de conneries. Épée de soldat. Et hache de guerrier, tu sais quoi? Voilà. Dans les compagnons, j'en ai que un. Bon, allez, on tente, hein, le magicien. A casual call to heroism.
How many adventures start thus? Votre conversation avec un marchand de fourrure est interrompue par l'arrivée fracassante de Malaclipse. I thought I knew everything about the game and what it could be. Now you see before you the extent of my research. I have crafted this game anew. Juste une petite seconde. Notre conversation avec un marchand de fourrure est interrompue par l'arrivée fracassante de Malaclipse. Les murmures parlent de troubles aux frontières de l'Empire. La ville d'Ouest-Voie est frappée par le fléau. Se diriger vers Ouest-Voie, en savoir plus sur Ouest-Voie. On va en savoir plus. Que voulez-vous savoir? Demandez des informations sur la protection de l'Empire. Demandez pourquoi Ouest-Voie est spéciale. Demandez où se trouve Ouest-Voie. J'ai voyagé loin pour échapper à l'oppression de l'Empire. Ouest-Voie m'a rendu ma liberté, mais je compte bien payer ma dette. Demandez la information. Ouais. Une petite garnison est censée protéger la ville, mais il semble qu'ils soient tous morts, disparus ou ivres. Demandez où se trouve Ouest-Voie. Ouest-Voie se trouve à l'extrémité de l'Empire. Pendant que l'Empereur porte son regard sur la capitale, ses nobles et ses marchands, ceux qui vivent dans la périphérie, sont négligés. Que voulez-vous savoir à cette question? Bon, on y va, il n'y a pas vraiment le choix. Vous retournez au marché et tentez de vous faire embaucher comme escorte pour une caravane de marchands. Il y a trois options. Un tailleur de pierre, un chariot de nourriture, un forgeron. On va dire forgeron. Vous voyagez inconfortablement parmi les nombreux outils d'un forgeron se dirigeant loin à l'ouest. Génial. Like a compass, it indicates the truth of all directions. Vous les vieux équipés de l'âme cardinale. Ouais, carrément. Ah, parce qu'en fait, même si on a les cartes, hein, si on tombe pas dessus, on les a pas. Hein. Vous arrivez à la ville de Ouest-Voie. Pour défendre la ville, vous allez devoir trouver le plus de soldats de l'Empire possible avant l'invasion du fléau. D'accord. A vampire cannot cross running water. These days you must deal with far more mundane opposition. Au trouble. Alors que vous traversez un pont en pierre, vous vous retrouvez face à un nouveau groupe de mécréants. 4 mécréants. Vous pourriez faire face et combattre ou vous jeter dans la rivière en contrebas. Allez, de toute façon, tout à l'heure, on a testé de faire combattre, on va lancer les dés. Vous plongez juste à temps sur le côté du pont et plongez dans l'eau froide. Allez, il faut faire un 10. Un gros score de merde. Oh putain. C'est mort. C'est total mort. Ah putain. Ce vieux score pourri. Oh, fait chier. Allez, 10 vies en moins. Un peu plus tard, vous vous retrouvez un marum à marcher sur la berge au milieu des roseaux. Vous avez des contusions et vos vêtements sont trempés. Le dealer vous déplace sur une rencontre aléatoire. Génial. Bon, ça va. Magasin généraliste. Bienvenue dans le magasin. Laissez acheter de l'équipement, acheter de la nourriture, acheter de la vie. Vendre de l'équipement. Acheter de l'équipement. Bah, je peux acheter que le bouclier. En gros. It's a thing you put in front of you so people don't hit you. I'm sure you can work it out. Est-ce que je peux vendre de l'équipement? Non, je peux pas. Acheter de la vie. J'ai pas assez de sous non plus. Donc on y va.
Soldats capturés. 4. 4 de givre. Vous trouvez des soldats impériaux attachés par des nordistes. Combattre pour les libérer, acheter leur liberté si j'ai des sous, mais je peux pas. Ou les laisser faire. Allez, on va les libérer. Vous dégainez votre arme. Voyons si le mage peut vous aider ici. Malaclips, un magicien bouffon et vagabond. Lorsqu'il est actif, Malaclips lance sur vous un sort protecteur qui peut bloquer un coup unique. Capacité du compagnon, d'accord. Oh, mais c'est que tu fais pas mal de dégâts. Vache! Putain, il faut parer deux fois! Ah, salut Black à sable! Mais ça, c'est pas normal que ta connexion soit si merdique, surtout à certaines heures, hein. Tu devrais regarder... T'as testé tous les... Est-ce que t'as testé tous les... Je vais y arriver. Tous les navigateurs internet. Parce que moi je sais que quand ça déconne, parce que moi ça déconne aussi beaucoup avec ma connexion maison chez Free. Et pourtant, dès que je passe sur Edge, tu sais le truc de Microsoft sur Windows 10, ça marche du tonnerre. Hein. Sinon, t'as Firefox, t'as un peu de tout. Et après, normalement, je jouerai à WoW, t'inquiète pas. Enfin, si tu es toujours là. Donc ça, on accepte. De toute façon, je vais me faire déboulonner le fion en 5 minutes avec cette partie. Après avoir tué les nordistes, vous libérez les prisonniers. Vous obtenez 2 recrues. Ah, donc j'ai des joueurs avec moi. Mozilla et Chrome. Et c'est Edge. Ça marche nickel, Edge. Hein, malgré ce qu'on peut dire. C'est plus du tout comme Internet Explorer à l'époque. Hein. Il marche très bien chez moi. Je m'en sers pour Netflix. Je m'en sers pour Twitch quand ça veut pas marcher. Oh, Chrome, c'est de la merde. Moi, je suis sur Chrome quasiment tout le temps. Mais pour ce qui est de Twitch, c'est Edge. Tu vas sur Edge. Essaye, hein, ça coûte rien de télécharger et de voir ce que ça donne. Hein. En traversant une sombre forêt, vous rencontrez une vieille dame frêle. Elle s'arrête pour vous saluer. Pendant des siècles, j'ai aidé les mortels perdus dans ma forêt. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour faciliter votre voyage? Demandez des provisions. Demandez à rallonger votre vie. Demandez de l'or. Rallonge ma vie, hein, j'en ai plus là. Je vous souhaite de vivre une longue vie, dit-elle en faisant un geste de sa vieille main. Vous sentez une sensation de chaleur vous parcourir. Bah, si je tombe sur d'autres nordiques, je suis pas dans la merde. Here we begin to see one of the small ways I've changed the game. Each challenge differs both in their rules and their objectives. Even those cards which were once the stairs. Now vary per challenge, as you will see. Le clocher d'Ouest-Voie résonne bruyamment. Le crieur de la ville s'égosille. Il y a des corrompus à l'intérieur de la ville. Ils ont pénétré Loose Lane par les égouts. Nos braves soldats sont descendus s'occuper de la situation. Bon, ça va, il n'y en a que 3. Je tombe que sur des 4 depuis tout à l'heure. Vous arrivez à Ouest-Voie et trouvez le petit nombre de soldats restants rassemblés à l'entrée du quartier le plus pauvre, Loose Lane. Nous ne pouvons laisser la corruption se propager.
pour le bien de la ville, nous devons éliminer toute personne contaminée, peu importe à quel degré. Rejoindre les soldats, passer au niveau suivant, ou continuer à explorer. On rejoint les soldats. Il n'y a plus rien à explorer. 4 d'acier. Vous vous joignez au combat contre les corrompus. En plus, jet de dés de merde là. Deux fois j'ai fait un jet de dés tout pourri. Bon, ce qui est bien, c'est que je suis aidé. L'arme cardinale, malgré les connotations liturgiques, cette épée est enchantée pour diriger, non pour consacrer. Bon, ça va, on est 4 contre 3. Bon, celui-là, c'était très facile. Comparé au tout premier, là, qui m'a littéralement pété la nu. Il me restait 7 points de vie, hein. J'étais à deux doigts de perdre la première partie. La menace des corrompus écartés et ses soldats ont survécu grâce à vous et vont pouvoir participer à la défense de la ville. Vous obtenez 4 recrues. Putain, ça c'est bon, ça. Je suis plus tout seul. 6 soldats recrutés. Les soldats vous aident à récupérer ce que vous pouvez sur les vestiges des pauvres âmes dévorées par la corruption. Hache de guerrier ou épée de soldat? Épée. Voulez-vous équiper épée de soldat? Non. J'ai la lame cardinale qui est beaucoup mieux. Bon, j'ai gagné pas mal d'or, mais la vie, c'est ce qui est le plus important. Putain, c'est quoi ce terrain en forme de carré, là? On va d'abord à droite, allez. Encore les soldats capturés. 4 de givre. Ah, putain, les nordiques de merde. Vous trouvez des soldats impériaux attachés par des nordistes. Achetez leur liberté contre, 10 pièces d'or. Combattre, je vais combattre, hein, mais ils sont chauds, hein. Mais j'ai des gens avec moi, normalement. Maintenant. Tout à l'heure, j'étais tout seul, mais... Enfin, j'espère. Pilleurs. Ils proviennent des ténèbres glacées du nord lointain. Les Nordiques peuvent effectuer un combo d'attaque. Utiliser une riposte avec les armes à une main pour infliger des dégâts supplémentaires immédiatement après avoir défendu. Et non. Oh le bol, je me suis même pas fait toucher une seule fois. Enfin, je crois. Faudra que je regarde le replay. Esprit guérisseur, ouais, carrément. Restaure 10 points de vie quand ce pouvoir est activé. Utilisable, utilisation 3. J'ai récupéré de la vie. You and I must heal more than ourselves. We must heal this world. Ça déchargement. Attends, écoute, je vais baisser un peu le. Au pire, je vais baisser un peu le bitrate de la vidéo, on verra bien. Juste pour le lol, tu peux aller sur. Attends. Petite seconde, on va faire un petit truc. Tu peux aller sur ce site et me dire là maintenant, en coupant le stream avant, bien sûr, hein, tu coupes le stream avant,
Tu vas là-dessus et tu lances le test. Et tu me dis combien tu as en réception et combien tu as en envoi. C'est juste pour voir si c'est un bug de ton navigateur, de ton ordinateur, ou si c'est ta connexion vraiment qui est merdique. Après avoir tué les nordistes, vous libérez les prisonniers, vous obtenez 2 recrues. Mais alors du coup, j'ai plein de recrues, mais ouais, mais c'est bien. Mais elles viennent pas m'aider en combat au final, elles viennent m'aider que sur la fin. Tu sais quoi, je retourne là. Et je vais faire celui-là. Magasin généraliste. Acheter de l'équipement, acheter de la nourriture. De la nourriture, j'en ai pas des masses. C'est combien? L'équipement, c'est combien? Bon, attends, j'ai l'épée de fou, donc j'ai pas besoin d'équipement. On va acheter de la nourriture, parce que la nourriture, c'est la vie, la nourriture. Et on va s'arrêter là, parce que sinon, il faudrait garder un peu d'argent. Vendre de l'équipement, est-ce que j'ai de l'équipement en trop? La lame cardinale, j'en ai besoin. L'épée de soldat, j'en ai pas trop besoin. Voilà. Et au niveau de l'équipement, de toute façon, il vend que de la merde. Oh, anneau du marchand. Salut, Elia. Comment ça va? Que fait l'anneau du marchand? Inspecter. Révéler les boutiques. Permet de afficher les rencontres de type boutique au début de chaque nouvelle carte. Vous pouvez équiper autant d'anneaux que vous voulez à la fois. Ah bon, on va l'acheter. Il y a assez de sous. Voilà. Ah, moi ça va bien. Tu connais End of Fate? La main du destin. C'est comme un jeu de plateau, un jeu de rôle plateau, comme à la maison avec des amis, sauf que tu joues avec un maître du jeu complètement connard. C'est à base de lancer de dés, de hasard, de jeu. C'est comme un jeu de rôle papier. Alors, tu as 7,1 pour la réception et 5 pour l'envoi. Ouais, c'est bien pour les gens qui n'ont pas d'amis. En fait, il aurait dû mettre une option multijoueur, ça aurait été terrible. Mais j'ai déjà joué avec des jeux de rôle, c'est trop partial. C'est quand tu joues à un jeu de rôle papier avec des amis, d'ailleurs même avec Chromos, bah il suffit que le maître du jeu soit un con ou ait envie de faire chier pour te foutre dans la merde dans le jeu. Là, c'est du hasard, à base de lancer de pièces, ou alors il te propose 4 cartes. Oh, tu te tais quand je parle? Il te propose 4 cartes avec une mauvaise et 3 bonnes, par exemple. Et il les retourne, il fait un mélange et tu dois choisir. En gros, c'est à base de lancer de dés, de lancer de pièces, donc pile ou face, ou de choix de cartes comme ça. Selon si tu tombes sur les bonnes ou les mauvaises choses, et ben, ça te fout en l'air ta partie. Sinon, Black à Sable, en gros, avec ce que tu as comme débit là, tu devrais avoir aucun problème. Hein. Dis-toi que mon stream, il est à 4000. Il est à 4000 Mbps. T'en as presque moitié plus. Ça vient pas d'ici, ça vient pas de chez moi. Hein. Tu devrais passer un coup de C-Cleaner ou un coup d'antivirus pour voir si t'as pas quelque chose qui te bouffe ta connexion. Hein. Parce que ça peut arriver. Hein. Y a des virus qui c'est ton micro crachote. Ah. Et j'ai enlevé le filtre. C'est peut-être pour ça. J'étais un peu trop près. Tu devrais avoir aucun problème de connexion. Vide le cache de ton navigateur ou lance un truc antivirus, mais je te jure qu'avec cette connexion, tu devrais avoir aucun problème. J'ai 2 fois moins de bitrate quand je stream.
D'accord. Voilà. Si ça crachote, j'étais un peu trop près du micro, j'en suis désolé. Alors, bah on va le laisser maintenant. J'ai plus de sous. Et on va dans la carte suivante. Avast. AVG. Je connais pas AVG. Utilise Avast. En gratuit, il n'y en a pas des masses. Hein. Mais ça peut pas venir. Enfin, Avast, il peut peut-être pas trouver. Il faut lancer Malwarebytes ou des trucs comme ça. Attends. Voilà, désolé, c'était pour ceux qui n'ont pas le son. Donc là, on se déplace sur la carte suivante. In your life, you will have wandered endless intersections, yet this one sticks with you. Why? What is it in your memory that catches here? On trouve ça sur Steam. Il vient de sortir le jeu, c'est la suite du premier. Attends, what? Vous arrivez devant un poteau indiquant les routes menant à l'est et à l'ouest. Always treat those who feed you with respect. Even I stand by this rule, and I have respect for few. Juste au cas où. Par chance, vous tombez sur un chariot en bois rempli de poires, tartes et autres objets divers. Une odeur divine se dégage du chariot. Malaclip secoue la tête. Pauvre vieux Chester, c'est pour ça qu'il faut résister au charme des femmes, esclaves de l'or,
Elles vous briseront le cœur et vous vous retrouverez à vendre des tartelettes au citron sans avoir le sens des affaires. Le vieux fermier vend des articles à la criée pour attirer les passants, tartelettes, tartes aux fruits exotiques, etc. Chester vous salue gaiement. Que souhaitez-vous acheter par cette belle matinée? Acheter des tartelettes, des tartes, acheter des fruits exotiques. Ah, les petites tartes. Ah, une bonne grosse tarte. Alors, acheter des tartes. Il sort une tarte aux oignons et au fromage de son chariot et vous l'attend. Oh, c'est une tarte aux oignons et au fromage. Ouais, c'est une... C'est un truc alsacien, ça. J'ai oublié le nom, là, d'un coup. En plus, j'aime bien ça. Mais ça s'appelle pas une tarte aux oignons et au fromage. Ça s'appelle une... Je sais plus. J'ai oublié. Non, malheureusement, je crois que c'est que du solo, le jeu. Mais vu le succès qu'a eu le premier, le succès qu'a déjà celui-là qui vient de sortir, il y a peut-être une chance que ce soit du multi. Mais en réalité, on joue au jeu de rôle contre le maître du jeu. Même si c'est du hasard avec des dés, une pièce pile ou face et un choix de cartes, en gros, sur les 4 cartes, choisissez la bonne, etc. On joue contre lui. Il y a toute une histoire et on joue contre le maître du jeu. Donc je vois pas comment on pourrait jouer en multi à ça. Enfin, je vois pas trop comment. Regarde un peu la vidéo, tu verras quand je tomberai sur un combat comment ça se passe. Comme toujours, mes tartes se vendent bien aujourd'hui. Chester jauge sa caisse un instant. Enfin, avant d'en décider le prix. Oh, la saloperie! Le prix de la tarte en variera en fonction de ma chance. Ça se trouve, j'ai même pas assez. J'ai pas eu le temps de regarder combien il y avait. Allez. Moi, j'en vois 3 sur le stream. On prend la troisième. 10 d'or. Ça va. Il y avait 30. J'ai pas 30. Il y avait le choix parmi 30. Oh, ça fait cher la putain de tarte. Hein. Bah, allez, vas-y. Allez, je vais te faire foutre. 15 balles ta tarte, quoi, sans déconner. Même chez le marchand, c'est pas si cher. Now your chance presents itself. Ah merde, c'est le boss. Stand in the defense of the peasantry. What noble traits you display already. Un énorme clocher est perché au-dessus de Westvoie. Il servait à avertir ceux qui travaillaient dans les mines et dans les champs de la fin de la journée. Mais à présent, il sert à rallier les défenseurs d'Ouest-Voie. Souhaitez-vous invoquer les soldats que vous avez recrutés? Cherchez plus de recrues. Vous quittez le clocher et partez en quête de plus de recrues. Oui, voilà, on va d'abord aller là. Bras de fer. Le festival de force voyage de village en village à la recherche des plus forts du pays. À chaque visite, vous affronterez un adversaire unique. Et chaque victoire vous permettra d'affronter des adversaires plus puissants et d'accéder à de meilleures récompenses. Durant la deuxième manche, vous êtes assis en face du vieux Huntley l'Édenté. Il se vante d'avoir travaillé comme assassin pour un chef criminel. Il faut faire 12? Putain, avec le bol que j'ai eu depuis tout à l'heure. Allez, allez, pitié. Mais va te faire foutre. J'ai perdu. Le vieux tueur à gages semble connaître une prise ayant pour effet d'engourdir vos muscles. Vous avez perdu le combat. Après avoir été vaincu dans la seconde manche, vous ne recevez qu'un petit prix. Bon, j'ai gagné quelque chose. Vous empochez la plus petite récompense après avoir perdu la compétition de force. À votre retour, une nouvelle compétition commencera. Moi, j'ai pas perdu de vie. Tout en patrouillant aux abords d'Ouest-Voie, vous entendez des bruits de lames qui s'entrechoquent et le grognement caractéristique des corrompus. Alors que vous cherchez la source de ces bruits, vous rencontrez un noble perché sur le toit de sa diligence. Dieu merci, vous êtes là.
Nous étions en route pour ma maison de campagne quand nous nous sommes fait attaquer. Mes gardes m'ont laissé ici et sont allés les repousser, mais le combat les a menés dans la forêt. Il jette un regard apeuré vers l'orée du bois. Si vous restez ici et me protégez, je vous récompenserai. Alors, ça ressemble beaucoup à Darkest Dungeon. Vite fait. Non. Oui et non. C'est vrai que ça ressemble un peu à Darkest Dungeon en moins dur. Et le combat sont pas au tour par tour, tu vas voir. Je vais accepter l'offre. Attends, partir à la recherche des soldats. Attends. Merde, j'ai fait de la merde, j'ai appuyé sans faire exprès. Vous vous hâtez vers la forêt et trouvez rapidement un groupe de soldats en train de combattre des corrompus. Je crois que j'aurais dû mettre le jeu sur le SSD parce que le petit temps de chargement il lag. Alors ça c'est mon personnage. Bon cette fois je suis pas tout seul, je crois que j'ai deux petits bonhommes avec moi. Bastion de purification. Nial était un artisan très inventif et il était aussi plutôt fou. Alors la vie qu'on perd lors des combats, on les perd pour toujours. Sauf si on se soigne ensuite plus tard dans le jeu, mais c'est pour toute la partie. Ouais non, une arme lourde, non je veux pas l'équiper. Aucune recrue sera liée à votre cause. Génial. Bon, maintenant, il faut faire la dernière carte. Another chance to redeem yourself. Let's see how you handle it this time. Je vais baisser le bitrate. Bon, ce sera un peu moins beau, mais ça devrait moins laguer pour vous, normalement. On va sonner l'alarme. Alors que la nuit tombe sur Westvoie, vous sentez la corruption s'échapper des ombres tout autour de vous. Vous inspectez les soldats que vous avez réussi à recruter. Vous avez rassemblé un large groupe de soldats de l'Empire pour défendre la ville, en espérant qu'ils seront suffisants. Il y a du monde. Vous devez survivre jusqu'au matin en attendant l'arrivée des renforts de l'Empire. Donner un discours d'encouragement ou ne rien dire. Ça va être un lancer de dés, ça. Oh putain! Il y a trois mauvais et un bon. Ça va être tout pourri. Moi qui ai déjà jamais de chance, il y en a trois qui sont mauvais là-dedans. Bon allez.
Lequel je prends? Comme ça, je pourrais dire que c'est votre faute. Non, personne. Bon, bah, on va prendre le troisième. Allez, non, allez, le 2. Le 2. Oh, va te faire foutre. Les soldats ne semblent pas affectés par votre discours et restent tordus et apeurés. Génial. Bon, au moins, il n'y a pas de malus. Oh, que t'es moche. Terreur de Westvoie. Alors que les derniers vestiges de l'humanité sont balayés, la terreur s'éveille. Utilisez une frappe pour briser l'armure corrompue de la terreur et achevez-la avec un coup de grâce avant qu'elle ne se régénère. Bon, ça va, il reste plus que le méchant maintenant. Enfin, je crois. Oh la vache. Je m'en suis plutôt bien sorti. A mighty creature of chaos felled by your power. Does it satisfy you, this bloodshed? Knowing those you destroy were once simple peasants going about their day. À la chute du géant corrompu, les sbires restants prennent la fuite, leur volonté brisée. Les soldats explosent de joie et louent votre bravoure. Vous vous reposez jusqu'au matin, prêt à accueillir les renforts dans une ville déjà sauvée. The magician returns to the deck, but now we only begin our stories of fate, folly, and magic. Do not think I'm satisfied with this, but at least we have a place to begin. Now you have learned the simplest of ways to build your deck. Each challenge will provide its own unique trials. Here are some more tools to keep you in good stead. Alors, toutes ces cartes vont servir à aller dans notre deck. Donc en fait, toutes les merdes qui nous arrivent, c'est notre faute parce que c'est des cartes qu'on a. Enfin, en général. As you play, you will find more options open to you.
Should you find yourself blocked or overly challenged, take the time to explore the board. Unlocking cards will give you options you have not yet considered. D'accord, donc là j'ai le choix entre trois niveaux, le prochain. Alors plus tard on pourra faire notre propre deck avec nos propres cartes, évidemment. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, les cartes sont là pour nous emmerder, hein. À part celles des armes et des petits bonus comme les potions, les compagnons, le bouclier, tout ça. Toutes les autres, les rencontres aléatoires, les combats, ça se base sur du jeu de dés, du hasard. D'où le nom du jeu, la main du destin, Hand of Fate. En gros, le jeu essaye de vous avoir. Et c'est à vous d'essayer de gagner. Alors, j'ai déjà fait deux missions. Il a dit qu'au tout début du jeu qu'il y en avait 21 ou 22. Je pense que je vais m'arrêter là. J'en ferai peut-être d'autres la prochaine fois. Je pense pas que je vais streamer autre chose ce soir. Par contre, je vais sûrement jouer de mon côté un peu à World of Warcraft. Mais pour peut-être pas faire grand-chose d'intéressant, donc ça vaut pas un stream, je pense. Pour le stream de 12h comme on avait promis, ça se passera probablement pas cette semaine, en tout cas pas aujourd'hui ni demain, pour des raisons indépendantes de ma volonté. Mais promis, on a promis de le faire, donc ça se fera. Un stream de 12h non-stop avec moi et Chromos sur divers jeux. Alors on parle beaucoup de Road Track Simulator, on parlera sûrement de Fortnite, de World of Warcraft. D'un peu tous les jeux qui nous passeront sous la main, en 12 heures on aura le temps de tout tester. Hein. Donc si vous n'êtes pas encore follow, n'hésitez pas à le faire, c'est entièrement gratuit. Si vous aimez beaucoup notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, mais vous n'y êtes pas du tout obligé. On a une chaîne YouTube, en ce moment on met plus nos vidéos Twitch parce qu'on y passe tous nos jours dessus, donc on a plutôt le temps de faire des vidéos YouTube, mais on a une chaîne et on pose des... On pose des vidéos tous les jours sur Twitch en direct et sur YouTube la semaine qui vient en général. Et on a un Twitter qu'on essaye de remplir de temps en temps. Donc voilà, et surtout n'hésitez pas à nous dire ce que vous voulez voir comme jeu. On peut tout faire, de la Switch, de la Play 4, du PC. On n'a pas la Xbox donc on peut pas, mais on peut tout faire. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt avec Thibaut et Chromos. Ce sera moi ou ce sera lui, ou les deux. Donc je vous dis à très bientôt et bonne soirée.